Bonjour, aujourd'hui pour la Saint-Valentin, on va parler de deux, trois petits jeux, ou plutôt des jeux qui n'existent pas. En effet, je n'ai pas trouvé jusqu'alors un jeu de la Saint-Valentin, un jeu pour couple, un jeu un peu sexy, cosy, ce qu'on veut, qui correspondait vraiment à une mise en ambiance folle, chouette, dingue, qui proposait des choses qui stimulaient autant les sens que le reste. Et en vrai, je me demande si on pourrait pas créer ce jeu ensemble. Qu'on s'entende bien, je vous demande pas des folies, mais et si on créait un exégèse pour adultes? Ça peut donner quelque chose de fun. Voyons si ensemble on pourrait créer un jeu pour couple, ou plus si vous êtes fou, ou même pour tout seul. Un jeu de société qui permettrait d'aller un peu plus loin dans l'intime tout en restant chouette sans être juste une énième série de questions-réponses, d'actions-vérités, ou que sais-je encore, ou un vieux jet de dés qui vous dit allez-y, mettez-vous en levrette, youpi, tralala. Non, sans déconner. Il y a des choses quand même qui peuvent être un peu plus sympas et un peu plus intimes et chouettes. Je vais pas donner toutes les idées ici, il faut pas déconner. Mais. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je serais ravi de développer ce projet. Ça fait un moment que ça traîne dans ma tête et j'ai du mal à trouver le bout. Mais peut-être ensemble on pourrait. Enfin, bon. Non. À demain.